Bon, mes frères et sœurs, on parle de Rof. On parle de Rof, on parle de Swagman aussi. Voilà. Donc pour moi, mes frères et sœurs, l'homme qu'on appelle Rof, on peut dire, mes frères et sœurs, qu'il n'a rien à faire en prison, pour commencer. Il se doit d'être dehors parce que tout simplement, comme j'ai dit, il a une famille. Et pour moi, qui a aussi une famille, je trouve ça insupportable qu'un grand comme Rof se retrouve au trou pour des histoires de 2013. Il n'a rien à faire là-bas, comprenez? Et on peut dire que Rof, c'est une légende. Que vous le voulez ou non, mes frères et sœurs, c'est une légende. Il a marqué l'histoire du rap français. Il est déjà une légende. Faut pas dire il sera une légende, il l'est déjà, mes frères et sœurs. À l'époque, il a l'Ascaro qui faisait des freestyles de 30 minutes, mes frères et sœurs. J'ai regardé des concerts à lui, mes frères et sœurs, il mouillait le maillot. C'était l'un des seuls rappeurs, mes frères et sœurs, où le t-shirt était trempé. Vous comprenez? Sans boire de l'eau, mes frères et sœurs, vous comprenez? Donc ce mec-là, il doit être dehors, mes frères et sœurs, pour voir ses enfants, pour voir sa mère, pour voir son frère, Iqbal, qui a fait un son pour lui, mes frères et sœurs, qui aime beaucoup son grand frère. C'est normal, bah, après c'est normal. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une légende, mes frères et sœurs. Et franchement, pour moi, les classiques qu'il a fait, hein, de Testament, à même avant, il a même fait des sons à l'époque, là, Appelle-moi Rof. C'est un truc en 99, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, je l'écoute encore. Appelle-moi Rof. Vous cliquez Appelle-moi Rof, mes frères et sœurs. C'est des sons qu'on écoute encore, on est en 2019. Ça fait 20 ans. Des classiques, mes frères et sœurs, comme Zone Internationale, Qui on est, on a besoin de. Tu vois, les sons à l'époque, là, mes frères et sœurs. Enculé ton clash. En mode, tous ces classiques-là. Ce mec-là, mes frères et sœurs, au jour d'aujourd'hui, ces classiques de l'époque sont aussi forts que ces classiques d'aujourd'hui. Vous imaginez les classiques qu'il a fait là, dernièrement là. J'arrache tout, gros, je baisse tout, gros, tous ces sons-là là, qu'il a fait là. Ces classiques de l'époque, mes frères et sœurs, rivalisent avec ces classiques d'aujourd'hui. C'est ça une légende, mes frères et sœurs, parce qu'on peut écouter les classiques de l'époque et les classiques d'aujourd'hui. Dont Testament 1 et Testament 2. En plus, il a mis de la lumière, mes frères et sœurs, à beaucoup de gens. Il fait monter des gens, mes frères et sœurs. Il a fait monter Sicko MC, il a fait monter beaucoup de rappeurs. Il a partagé ce qu'il avait. Il a fait croquer La Haine, il a fait croquer. Il a fait monter un peu Niro. Même si Niro était déjà connu, en rappant avec lui, il lui a donné encore plus de lumière, vous comprenez? Il a fait monter Sultan. Il a fait monter plein de gens, vous comprenez? C'était un mec, franchement, c'était un bon. Lui, c'est vraiment un mec de la street. Et ces sons de l'époque, on les écoute encore, vous comprenez? Donc voilà, donc moi, pour moi, il n'a rien à faire en prison. Il doit sortir, mes frères et sœurs, Inch'Allah, il sort plus vite. J'espère qu'il y a des gens, ils vont faire des lettres, ils vont faire des trucs pour que le frère y sorte, pour qu'il voie ses enfants, pour qu'il voie sa daronne, pour qu'il voie ses frères, pour qu'il voie ses fans, pour qu'il continue à donner de la bonne musique, vous comprenez? Après, on a l'homme qui s'appelle Swagman, qui, voilà, nous, moi, Swagman, franchement, je vous dis la vérité, c'est un mec. Voilà, c'est pas un rappeur pour moi, c'est un buzzer, vous comprenez? C'est un buzzer. Ça, il a rien à voir avec Rof, vous comprenez? On préfère Rof quand même. Je pense que, voilà, tout le monde sait qu'on préfère Rof. Mais Swagman, on l'aimait bien beaucoup parce que, tout simplement, comme j'ai dit, moi, YouTube, j'ai commencé avec du Swagman, c'est-à-dire j'ai regardé les vidéos de Swagman avec Tonton Marcel et j'ai vu l'évolution de Swagman. À l'époque où il démarchait pour les maisons de disques, pour percer dans la musique, j'ai tout vu son début. Comment il distribuait son argent aux pauvres et tout ça. C'est un gars quand même, moi, comme j'ai dit, Swagman, il n'a rien à faire en prison, mes frères et sœurs. Après, je ne sais pas ce qu'il a fait, même si je sais ce qu'il a fait, je suis pas là pour Poucave, mes frères et sœurs. Moi, je regarde les bons côtés de Swagman, comprenez? Et je vois que c'est un jeune qui a quoi, 31 ou 32 ou 33 ans peut-être. Il faut qu'il soit dehors, comprenez? Il faut qu'il soit dehors. Il faut que cette petite incarcération lui fasse réfléchir et que quand il sorte, il ne reproduise plus les mêmes erreurs, vous comprenez? Et pourquoi j'apprécie Swagman? Parce que tout simplement, il donnait de la force à l'époque. Et voilà, en montrant sa tête sur YouTube, en s'affichant, en montrant ses biens, tout. C'est un modèle de réussite. Après, voilà, il a son délire avec ses tatouages et tout, mais ça reste un mec qui. C'est un bon mec. Donc voilà, donc nous on veut qu'il soit dehors, on veut pas que les gens soient au trou, surtout quand ils sont médiatisés, ils sont célèbres. Regardez, il est parti là-bas en Tunisie. Avant de monter en prison, mes frères et sœurs, regardez tout le buzz qu'il a fait. Il faisait plus de vues que des rappeurs français. Il sortait des clips en arabe, mes frères et sœurs, en rebeu. Donc voilà, donc moi en fait, en même temps en parlant de lui, c'est une manière de dire que vous l'avez tous sali, les youtubeurs, tous autant que vous êtes tous des chiens, tous des traîtres. Moi, je fais partie des seuls qui parlent pas mal de Swagman parce que tout simplement, mes frères et sœurs, c'est un bon mec, mes frères et sœurs, que vous voulez ou non, c'est un bon mec.
Moi, je connais des choses qu'il a fait pour Tonton Marcel. Parce que Swagman, c'est un mec, j'ai parlé avec lui. Je parle avec lui. Bref, je suis pas là pour vous dire ma vie privée, en tout cas. C'est un bon. C'est un bon. Tout ce que je peux vous dire, c'est un bon. Voilà. Il m'a toujours donné de la force, il m'a dit Guada zéro, lâche pas l'affaire, continue, continue, lâche rien. Donc voilà, donc moi, sur ce, mes frères et sœurs, en tout cas, grosse force à Rof, grosse force à Swagman. Et on espère qu'Inch'Allah, ils sortent au plus vite, mes frères et sœurs, que Dieu les fasse sortir de la prison, que Dieu les mette dans la route de la religion, que Dieu les mette dans la voie de Dieu, mes frères et sœurs. Il faut qu'ils prient pour pouvoir lutter contre ces incarcérations, ces pensées parfois dépressives, parce que. T'enfermer, toi tu vois pas ta famille, tu vois pas ta femme, tu vois personne, tu vois pas ta mère, tu vois pas ta, tu vois personne, mes frères et sœurs, t'enfermer dans. Parce qu'ils sont isolés, mes frères et sœurs, vous comprenez? Donc j'espère que Dieu va être avec eux, va envoyer les anges, Inch'Allah, dans leur cellule, et qu'ils vont beaucoup lire. S'ils sont musulmans, qu'ils lisent le Coran à fond, c'est très très important. Et voilà, qu'ils lâchent rien, mes frères et sœurs. Voilà, voilà le message que je voulais faire passer. Sur ce, on parle pas mal, mes frères et sœurs, des prisonniers, on parle pas mal, mes frères et sœurs. De Swagman, on parle pas mal de Rof, mes frères et sœurs, on donne de la force, on donnera toujours des vidéos positives et des vidéos où on complimente ces deux personnes-là parce que tout simplement, eux là où ils sont, c'est peut-être là où je n'irai jamais, mes frères et sœurs, c'est peut-être là où toi, haineux, qui critique, tu n'iras peut-être jamais, tu sauras jamais ce que eux ils sont. Donc voilà, donc ferme ta gueule, mes frères et sœurs. Tous ceux qui ont mal parlé sur Swagman, vous êtes des putes, voilà, franchement, vous êtes des putes, je vous dis clairement, vous n'êtes pas des mecs de la street, vous êtes des salopes. Voilà, vous reconnaîtrez, il y en a plusieurs qui ont sorti des vidéos. Vous, franchement, vous êtes des chétans parce que un mec qui est déjà enfermé et continue à mal parler sur lui, voilà, vous avez un problème, mes frères et sœurs, c'est pas normal. Sur ce, c'était Guada Zéro, mes frères et sœurs.